solitaire, avançons-nous à pas de loup. Avançons-nous à pas de loup, et voyons si l'on veut le faire en cet endroit quelques mots. Un monsieur tout cousu d'or. Un monsieur tout cousu d'or, un trésor bien portant, financé, mal placé, tout pour ce temps envolé. Avec son loup, des bijoux, des écus, du crésus, mon perso, vers un saut, de sa poisson, de votre fille. Sa marche quand 10 pistolets se braquent sur lui et 10 index impérieusement posés sur 10 bouches closes lui enjoignent de garder le silence. Les voleurs lui enlèvent sa montre, ses bijoux, son argent, ses vêtements et même sa perruque, puis courtoisement l'invitent à déguerpir. Les voleurs s'embusquent à nouveau derrière les piliers des halles à l'affût de nouveaux passants. En voici justement. Qui vient là? Des enfants? Des enfants? Des pages du Duc d'Orléans. Pauvre maladroit, ah, où la femme a passé, le voleur perd ses droits, où la femme a passé, le voleur perd ses droits, où la femme a passé, le voleur perd ses droits, où la femme a passé. Piller un amant qui court chez sa maîtresse serait bien, mais après c'est vraiment par trop de maladresse. Sur l'honneur, messieurs les brigands sont frais qu'on vous le dise. Vous n'êtes que de vrais enfants près de la Cydalise. Pauvre maladroit, pauvre maladroit. Ah, où la femme a passé. Le voleur perd ses droits, où la femme a passé, le voleur perd ses droits. Où la femme a passé, le voleur perd ses droits, où la femme a passé. Messieurs les filous, voici le jour.
femme a pensé. Le bonheur, c'est droit. Où la femme a pensé. Le bonheur, c'est droit. Où la femme a pensé. Le bonheur, c'est droit. Où la femme a pensé. S'éloigne. Les voleurs se dispersent. L'un d'eux pourtant qui s'attardait voit survenir un jeune et beau garçon à l'allure inquiète. Le voleur s'élance, le pistolet en avant. Le jeune homme empoigne le voleur et le secoue violemment, sans souci du pistolet. Puis il le libère avec un grand coup de pied. Le voleur se sauve et le jeune homme se parle à lui-même. Il est bête ce petit voleur. Il est bête de s'attaquer à moi qui suis plus fort que lui. Il est bête surtout de s'attaquer à moi dans un moment où je suis... Ah. Voici toi, non. Ici, me voilà. Me voilà, me voilà. Et ça coûte, ça passe comme ça. Ça coûte comme ça. À ma chère, pas de colère. À ma chère, pas de colère. Si vous commencez sur ce ton, comment finirez-vous? Comment finirez-vous? Oui. Moi, j'aurais prendre de l'empire. Monsieur, est-ce que j'ai à vous dire? Je le dirai bien posément, bien doucement. Oui, c'est cela, bien posément, bien doucement, bien doucement. Oui, c'est cela, bien posément, bien doucement, bien doucement. Bien doucement. Bien posément, bien doucement. V'là donc à moi, lui, vous t'apprendre, fréquente vol à revenu. As-tu donc fait, j'y t'ai potent, oui, as-tu fait, je suis prendre à vue. Trouveur, frère, menteur, affaire, j'en suis sûr, j'en prierai de le parier. Tu fais pourtant, tu ne me fais. Tu vas peut-être essayer de le nier. Eh bien, voyons. Dis quelque chose, mais quoi que tu dises, sache-le bien que je n'en croirai rien. Et pour cause, mon brigand, je n'en croirai rien. T'auras me prendre, mes remèdes. À tout, je répondrai non, 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 non. Voyons, 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 voyons. Voyons, toi, Ned, voyons, toi, non. Calmons-nous, Toinette, et Toinette. Voyons, Toinette, 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 voyons. À quoi bon, puisque tu ne veux rien entendre? Essaie au moins de te défendre. Quoi, me défendre? Ma foi, non. J'aime mieux tout avouer, oui. C'est donc vrai, tu viens chez une femme. De chez deux femmes, de chez trois femmes, de chez quatre femmes, de chez un sept femmes. C'est donc vrai, tu viens chez une femme. De chez deux femmes, de chez trois femmes, de chez quatre femmes, de chez un sept femmes. Gentiment, bien gentiment. Oh, c'est bon, gentil, vous êtes enfant. Oh, quel est le don si faible que moi.
Maintenant que tu es redevenu raisonnable, si nous rentrions, hein? Je t'assure que nous ferions bien. Richement vêtu. Notre boulangère veut se donner la peine de... Lorsque j'étais fille de boutique, je n'en avais pas autant que ça. Et je pensais à la pratique de ces gros pains que vous voyez là. Mais j'avais le goût des affaires et j'ai pu gagner honnêtement des sommes extraordinaires. Ce qui fait qu'on chante à présent, ce qui fait qu'on chante à présent. La boulangère a des aiguilles qui ne m'écoutent guère. Elle en a quand on les a vues. Je suis la boulangère. On faisait la cour. Maintenant on parle de mariage. Toutes les fois qu'on parle d'amour, c'est très flatteur pour la morale de voir qu'ils veulent m'épouser tous. D'où vient cette rage matrimoniale? Je m'en doute un peu. C'est que voyez-vous, je m'en doute un peu. C'est que voyez-vous, la boulangère a des aiguilles qui ne m'écoutent guère. Elle en a quatre. Je suis la boulangère. Monsieur Monsuisse. Patronne. Faites avancer ma chaise. Grande, sans rien près de nous, mon père.
Ce sera dans tout. Mon Dieu, l'ancien, les soldats, c'est pour lui. Oh, sauve-le, Martin, sauve-le. Entre dans ton cabaret, puis trouveras mon fils Coquebert. Écoute bien ce que tu lui diras. Tu lui diras de changer de vêtements avec ton fils Bernard. Je l'ai promis, je tiendrai ma promesse. Mais tâche de calmer la frayeur qui t'oppresse. Nous sommes fricassés, c'est bien, je t'en chaurai. Gardez bien toutes les issues et placez des soldats au coin de cette rue. Nul ne doit plus sortir d'ici. Nul ne doit plus sortir d'ici. Nul ne doit plus sortir d'ici. Pas même moi. Et vous? Moi donc, la boulangère. Prétendez-vous me retenir au bouquet? Je sais trop ce qu'on doit, ma chère, à vos écus, ainsi qu'à vos attraits. Laissez passer, 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 passer la boulangère. Avec mes quatre grands laquais, avec ces quatre grands laquais, avec ces quatre grands laquais, avec ces quatre grands laquais. Votre Suisse. Oui, mon Suisse. Oui, son Suisse. Votre Suisse. Oui, son Suisse. Oui, mon Suisse. Oui, son Suisse. Je ne le vois pas, votre Suisse. Où donc est-il passé, mon Suisse? Bernadille sort du cabaret, revêtue de la livrée de Suisse de Coquebert. Voilà, voilà, voilà. Le Suisse est tombé, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, qu'il est beau. Ah, qu'il est beau, ce gaillard-là. Il est encore mieux. Il est encore mieux comme ça. Ah, qu'il est beau. Ah, qu'il est beau, ce gaillard-là. Ah, qu'il est beau. Ah, qu'il est beau, ce gaillard-là. Voilà, voilà, voilà. Ah, qu'il est bien. Ah, qu'il est bien. Ah, qu'il est bien. Voilà, voilà, voilà. Il est bien. Il est en voilà, je suis en voilà, voilà, voilà. Ah, qu'il est beau. Voilà, voilà. Ah, qu'il est beau. J'étais au cabaret du coin et je m'y crissais avec soin. Ma dame et je n'étais pas loin. Bien tranquillement, je fitais mon père. À la santé, 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 monsieur le commissaire. Heureux. À la santé, 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 monsieur le commissaire. Qu'on voit là, aussi je me disais oh là là, je n'ai jamais vu comme cela, qu'il est prend le pain qu'on voit là, bien tranquillement je suis mon père.
à la santé, 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 à la santé de monsieur le commissaire. À la santé, 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 à la santé de monsieur le commissaire. Merci mes amis, c'est très sympathique ce film. Il est fort honnête, vraiment, et de plus, c'est un très bel homme, oui, vraiment, c'est un très bel homme, je vous en fais mon compliment, je vous en fais mon compliment. Merci, merci, monsieur le président, madame, merci, merci, monsieur le président. Opérer cet arc. Notre belle âme ne craignez rien. Nous le tenons, nous le tenons, nous le tenons, nous le tenons. Fort bien, 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 fort bien. Monsieur le commissaire me paraît bien content, gesticule en parlant à l'envenant pour un gros temps. Monsieur le commissaire me paraît bien content, sa lèvre est souriante, il est trop bien portant. Monsieur le commissaire me paraît content, gesticule en parlant à l'envenant pour un gros temps. Monsieur le commissaire me paraît bien content, sa lèvre est souriante, il est trop bien portant. Monsieur le commissaire me paraît bien portant, monsieur le commissaire est en effet content. Monsieur le commissaire me paraît bien content. Je suis content, 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 il est 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 content. Monsieur le commissaire me paraît bien content, gesticule en parlant à l'envenant pour un gros temps. Monsieur le commissaire me paraît bien content, monsieur le commissaire me paraît bien content. Laissons partir la boulangère. Et puis après bien l'estomac, nous expédierons notre affaire. Or bien, et nous sommes or bien. Or bien, or bien, or bien, or bien, or bien. Monsieur le commissaire me paraît bien content, gesticule en parlant à l'envenant pour entre temps. Monsieur le commissaire me paraît bien content, le commissaire me paraît bien content. Thank you.
quand les grandes coquettes vous font par trop languir. Quand les grandes coquettes vous font par trop languir. On va chez les grisettes pour se ragaillardir. Quand les grandes coquettes vous font par trop languir. Apportez-nous du pain, du lait, du pain, du lait. Apportez-nous en s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez du pain, mettez du lait, du pain, du lait. Voilà, Paris, vous prenez, et prenez par là. Mais de grâce, messieurs les pages, soyez bien sages, soyez bien sages. Ne faites pas flanc sur lui, qu'a fait mademoiselle Manon Frelu, qu'a fait mademoiselle Manon Frelu. Savez-vous l'histoire advenue à mademoiselle Manon Frelu? Elle adorait un militaire qui s'en est allé à la guerre. Avant de partir, il tendrement lui dit: jure-moi par serment que tu ne trahiras pas ma tendresse. Elle le jura immédiatement. Elle l'a juré par sa vertu, l'enfurie, la vertu de Manon Frelu, l'enfurie, dès le lendemain, pas plus tard, Manon rencontra par hasard un jeune garçon de bonne mine qui s'ensuivit, on le devine. Comme une folle, elle se mit à l'aimer, à l'embrasser, à bicholer. Elle jura même dans son ivresse que celui-là, bim, serait le dernier. Elle a juré par sa vertu, l'enfurie, la vertu de Manon Frelu, l'enfurie, 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 l'enfurie. Revient sans avoir averti. V'là Manon ben embarrassée, ben ennuyée, ben tracassée. Quelle des deux gardera-t-elle? Ma foi, elle garda les deux parts à la fois. Mais elle jura, foi d'honnête fille, qu'elle n'en prendrait, bim, jamais plus de trois. Elle a juré par sa vertu, l'enfurie, l'enfurie, la vertu de Manon Frelu, l'enfurie, 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 Tu veux donc te perdre, Bernadie? Non. Et pourquoi tu... Le costume des fariniers est absolument le même que le costume des charbonniers. Les fariniers, les charbonniers, ont le même sac, le même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers, se ressemblent comme deux couteaux. Pendant pour celui qui sait bien voir, il y a un détail très important. Il y a un détail, il y a un détail, il y a un détail très important.
sais que le charbonnier est tout noir, tout noir, et que le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont de bons enfants, tout blanc. Oui, oui, que le charbonnier est tout noir, tout noir, et que le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont de bons enfants. J'ai connu une petite femme qui était la femme d'un charbonnier. Et cette même petite femme avait un amant qui était farinier. Son mari venait pour l'embrasser, puis c'était le tour de son amant. Elle passait sa vie à se brosser pour n'avoir pas de désagrément. C'est que le charbonnier est tout noir, tout noir, et que le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont de bons enfants, tout blanc. Oui, le charbonnier est tout noir, tout noir, et que le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont de bons enfants. Voulez-vous boire quelque chose, les fariniers ? Oh, ça n'est pas de refus. Il allait vous dire que... Que le charbonnier est tout noir, tout noir, et que le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont dans un temps. Eh bien, messieurs, est-ce notre mitron ? Une longue file de mitron sort du fournil avec Bernadille en tête. Le commissaire les examine tous au passage. D'obtenir votre grâce, l'homme dont l'autre jour vous avez pris la place, l'homme que nous cherchons est ici, regardez et dites-moi c'est lui. Dès que vous le verrez, au ciel, je suis perdu. N'ayez pas peur, mon maître, si votre homme est ici, je vais le reconnaître. Plus de situation, plus terrible, plus empoignante, plus longue. Je palpite. Palpite, palpite d'émotion. Je palpite d'émotion. Parlez, j'attends. On va voir en ce jour
de foi peut me rendre capable d'amour pur, d'amour pur, d'amour pur, un véritable amour. Allons, dépêchons. Examinez-moi tous ces vitrons. Coquebert va regarder. Ne me parlez pas alors, vous allez me faire remarquer. Votre homme n'est pas là, je n'ai rien à vous dire. Je respire. Je respire. Se moque de moi, mais je les repincerai. Plus terrible, plus empoignante, plus belle et plus intéressante. Je palpite, palpite, palpite d'émotion. Ils auront beau faire, je les repasserai. Mais... Un homme d'un vrai mérite aimait une dame indigne de son hommage. Quand il apprit qu'elle trompait, il en aima bien davantage. C'est comme ça. Quand on aime, on aime quand même. Il faut bien en passer par là. Qui voulez-vous faire? C'est comme ça. Il faut bien en passer par là. La vertu, c'est un capital. On l'a dit et je le répète. Je connais des femmes, et pas mal, qui non seulement ont tout dépensé, capital et intérêt, mais qui même sont absolument privées d'elles. Qui voulez-vous faire? C'est comme ça. Quand on aime, on aime quand même, il faut bien en passer par là. Qui voulez-vous faire? C'est comme ça. Sans doute, il faut en passer par là, mais c'est trop... Mais qu'est-ce qu'elles me veulent? Ce qu'elles te veulent, Margot. Elle ne répondra rien.
Bande de Péronnelles, je vais vous répondre, moi. Faut être boulangère. Faut être boulangère. Est-ce ma faute si mademoiselle n'a pas su garder son amant? Il y a 8 jours qu'il brûlait pour elle. C'est pour moi qu'il brûle à présent. C'est pas vrai! Quoi non? Non! Non! Quoi tu veux pas le voir? Non! 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 C'est agréable d'être adoré par deux femmes en même temps. Ils ont bigrement tort, car c'est insupportable. Affermettez. C'est qu'envers l'une des deux, j'ai peur d'être malhonnête. Alors j'attends. Et dire que je connais un tas de gens qui se figurent que c'est agréable. Pour choisir, il faut réfléchir. Et pour réfléchir, rien n'est bon comme le mur d'une prison. Comme un cadis d'art, commissaire.
Je dis ma chère boulangère, que j'empoigne le beau mitron et que je l'emmène en prison. En prison ? En prison ? En prison ? En prison ? Comment t'as dit ça, commissaire, d'aller empoigner notre micro? Et t'as cru que nous te laisserions faire, mais regarde-nous donc, mais regarde-nous donc. Nous voulons pas de querelle, mais t'avises pas, mais t'avises pas de nous fracasser. Nous sommes ici, soixante femelles, et la danse, va commencer. Oui, et si vous avez besoin d'un vis-à-vis pour la danse, commissaire, ne se laisse pas intimider. La danse n'est pas ce que j'aime, mais je me risque tout de même. Emmenez-moi, ce gaillard-là. Hélas, mesdames, oula oula, je me mets sous votre protection. Aujourd'hui, parmi la bataillon. Aujourd'hui, parmi la bataillon. Nous des gens bien mis, des seigneurs, commissaires, tu perds la tête, tu nous prends pour des malfaiteurs. Oui, nous avons fait une tapage, et commis un tour d'écoliers. Et bien après, se donne notre âge, la belle raison pour crier. Apprends à respecter nos droits, vite policier, et sois plus sage une autre fois. Vite policier, et sois plus sage une autre fois. C'est un simple malentendu. Vous ne m'en voulez pas. Voilà. Je ne veux pas l'intégrer trop cher. Revoyez-vous, c'est
fasse une bonne réputation. Vous jurez, vous, ce sera bien ça, de sa vertu vous êtes car soit péché, voire heureux dans mon corps, si la peine meilleure répondant. Alors, voyez-vous, je sais très bien, c'est une chiffonne, c'est très fort. Thank you.
Vous ne buvez pas, vous ne chantez pas, vous restez là toute triste. Tout cadet. Et pas, je l'ai vu, femme régent, portier vive, c'est pas possible, mais tournez, j'y ai mis tant d'argent, que le serveur, plus de vie sensible. Je veux entrer, j'entre, et puis voilà, ce n'est pas plus difficile que ça, et puis voilà, c'est pas plus difficile que ça. Quoi que tu me veux, dis mon Seigneur, en me regardant avec noblesse, que je veux, c'est la grâce d'un coiffeur. Qu'à conspirer, qu'à conspirer, on peut battre le feu. Si ça grâce, si blabla, ce n'est pas plus difficile que ça. Oui, blabla, oui, blabla, c'est pas plus difficile que ça. Lavla? Son Altesse a daigné dire Lavla? Si vous vouliez être bien aimable, si vous promettiez d'être gentil, on ferait agrandir la table comme c'est l'usage pour les amis. Nous serions vraiment trop heureux. Et vous savez, ce qu'aime tant et la danse, pour commencer, oui. Et la danse.